Du ministre de la Recherche scientifique, de l'innovation technologique, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le délégué de la Recherche scientifique et technologique, sous l'aiguillon du NEF, constitue désormais pour le monde des sciences de l'Afrique un des principaux rendez-vous dans sa quête à la fois d'une place de choix pour sa contribution à l'avancée de la science et de la technologie et de son rôle de locomotive pour arrimer l'Afrique, notre continent, au convoi du développement socio-économique et du progrès technique. Monsieur le délégué général à la recherche scientifique et technologique, messieurs les directeurs généraux des instituts nationaux de recherche, madame l'ambassadeur du Next Einstein Forum, c'est avec un réel plaisir et grande et ma joie de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la Semaine africaine des sciences du Next Einstein Forum. Vous avez l'impression de piloter un avion réel. Des fruits en fait qui sont très répandus sur le territoire d'abord. Et pendant la saison, on remarque qu'il y a beaucoup de ces fruits-là, de la mangue et de la papaye qui fleurissent rapidement, sans pourtant trouver un moyen pour les transformer. À la première édition en 2017, nous n'avons eu que 150 participants. Et l'année passée, nous en avons eu plus de 1000. Ça montre déjà combien le Congolais est intéressé de plus en plus au métier de la science et à l'innovation. Et cette année-ci, nous avons eu beaucoup de feedback sur notre page, sur les réseaux sociaux. Nombreuses personnes nous ont contactés parce qu'ils ont vu l'intérêt des sciences et ils nous demandent un peu comment les orienter, comment les encourager. Thank you.